Mon fils, mon ange, je meurs, mon cher fils, victime de mon idolâtrie pour la patrie et pour le peuple. Mes ennemis m'ont conduite sans remords à l'échafaud. Adieu, mon fils, je ne serai plus quand tu recevras cette lettre. Je meurs innocente. On a violé toutes les lois pour la femme la plus vertueuse de son siècle. Rappelle-toi de mes prédications sans cesse. Ta mère qui t'aime, Olympe de Gouges. Peuple, citoyens malheureux, c'est à vous, Français, que j'écris. La France est plongée dans la douleur. Notre sexe est dépourvu de droits. Le peuple nous, souffre. Nous, les mères, le monarque, les filles, les sœurs de la nation avons besoin d'être bien soif de sang. Je propose la réassassinée de la femme et de la malheureuse s'emparer du article de leurs enfants. La femme n'est libre que je montre pour être le défenseur de Louis XVI. Pourquoi ne pas créer une sorte d'hôpital pour mettre au monde les enfants et des maisons pour les gens sans ressources. S'il faut des victimes aux tigres altérés de sang, qu'ils viennent. Je m'offre pour être le défenseur de mon mariage. Je m'offre pour être abolie. Un contrat ou un mariage civil serait suffisant. Il faudrait établir aussi une loi sur le divorce. Les malheureux ouvriers manquent de pain pour leurs enfants. La cause des esclaves noirs doit être défendue. Cette odieuse traite des nègres. Article 1er. La femme n'est libre et demeure égale en l'homme en droit. Article 10. Robespierre. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions. Il a soif la femme de sang. A le droit de monter à l'échafaud. Il voudrait assassiner Louis elle le doit Louis avoir également celui de monter à la tribune. Le mariage devrait être aboli. Ah, que j'exècre cet homme. Un mariage la soif de sang. Serait il voudrait assassiner faudrait Louis le dernier pour s'emparer du pouvoir. Il faut des victimes aux tigres altérés de sang qu'ils viennent. Je m'offre la première. Je m'offre pour victime aux monstres avides du sang humain. C'est la de Gouges, là. Encore la Gouges ? Mais c'est scandaleux. La traître. Aristocrate. C'est un scandale. On s'est tellement battu pour la République. Elle mérite la mort. On va la guillotiner. La sentence, la mort.
enfant de la patrie, vous vengerez ma mort.